Une ambiance zen règne au CAS de la Rivière des Roches, un espace de détente pour une trentaine de parents qui sont accompagnés par les services sociaux du département. Bah, mais détendue, mais contente. Ça fait du bien en fait. Pourquoi ? Bah, parce que bah, c'est rare des trucs comme ça qu'ils offrent pour les femmes aujourd'hui, la journée bien-être. Sans les enfants, mais tout seul, elle est bien. Ces mamans, en collaboration avec les travailleurs sociaux de l'Est, ont organisé cette journée. Une proximité construite au fil du temps. Cette action que vous voyez aujourd'hui, c'est un petit point. Mais toute l'année, toutes les semaines, nous voyons les familles, en plus de l'accompagnement individuel, à travers des espaces de parole, des ateliers de parentalité. Les idées reçues, c'est souvent que le travailleur social, c'est celui qui donne des sous, c'est celui qui place les enfants. Mais il y a tout un travail en amont qui doit être fait. Même s'il y a eu des enfants qui ont été en placement, même si elles sont aussi suivies dans le cadre de difficultés éducatives. Donc on repère des choses parce qu'on arrive à tisser une relation de confiance. Des mères courage en difficulté qui vivent souvent avec peu de ressources et des traumatismes et pourtant qui font grandir leur foyer. Ben, quand on a des soucis, c'est ben, là pour nous alors. C'est dur pour dire qu'on n'a pas besoin d'autres, il faut toujours nous... En fin de compte, c'était comme une deuxième maman pour nous, parce que si ce n'est pas nous, parce que nous n'avons pas gagné l'amour de notre mère, moi. Si on a des moments de difficulté dans notre papier, notre ressources, comme nous gagnons une tripée d'argent, tout ça, dans de l'eau, électricité, tout ça, mais... Vous êtes là, nous. Étant maman, ben, comme moi, je ne savais pas lire. Mais mes enfants, ils poussent mes enfants à avoir des études. Même si de nombreux dispositifs accompagnent ce public vulnérable, l'objectif clairement affiché est de les rendre autonomes. Nous essayons effectivement, sur le terrain, de décliner de façon opérationnelle la volonté politique du département, qui est de mettre la famille au cœur de ces politiques sociales. Proximité, famille et prévention. C'est par un atelier musical que la journée se poursuit, un moment pour se ressourcer, pour partager et mieux appréhender demain.